Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre, ce sont les journées traditionnelles du patrimoine naturel et du patrimoine culturel. Mais c'est l'occasion, si vous le souhaitez, et je vous le souhaite, de vous reconnecter un temps, et peut-être même définitivement, avec la nature dont on a tendance à tant s'éloigner dans notre monde devenu urbain. Et pourtant, je rappelle que la nature est une pourvoyeuse infinie d'émotions et un réservoir inépuisable de beauté. Si vous avez envie de vous pencher à l'occasion de ce week-end-là sur la biodiversité qui en a tant besoin, de découvrir la biodiversité ordinaire, mais pourquoi pas d'observer également dans notre propre pays la biodiversité exceptionnelle, d'observer la faune sauvage, de participer avec toutes ces associations qui, toute l'année, travaillent pour la protection, la préservation de la biodiversité, eh bien, vous pouvez vous greffer à ces opérations. Et pour savoir quels sont tous les événements qui vont avoir lieu ce week-end, il y a une plateforme qui a été créée, j'agis-pour-la-nature.org, et vous pourrez participer à des chantiers de préservation, à des sorties découvertes, à des missions d'observation, à des nettoyages d'écosystèmes, que sais-je encore. Toute cette journée est organisée avec toutes ces associations qui, toute l'année, œuvrent aux côtés de la biodiversité. La Ligue de protection des oiseaux, le Conservatoire des espaces naturels, les réserves naturelles de France, les CPIE, ma propre fondation. Voilà, vous allez sur le site j'agis-pour-la-nature.org et profitez de ce week-end pour vous reconnecter avec la nature.